This is Spectre! Eh bien, salut tout le monde, c'est Sapeu. On se retrouve pour un 2vs3 Colisum et je suis en compagnie de Haute Colère. Salut à toi. Salut, salut. Allez, c'est parti en 2vs3 Colisum. Bon, déjà, une petite dédicace à Itsuplif qui a abandonné avec son dossa pour pouvoir faire pour pouvoir être à 3, quoi. Vous avez compris. Alors, on est contre qui? Une roublarde pack du Sarbre Mer, un gras Head Shake du Sarbre Mer et. Une zobalette du Sarah Goultars Book et je crois grade 5 ou 6 ange, non démon. Voilà, et moi je suis avec Haute Colère, un très bon yop, pas grade 8. J'espère qu'on va pouvoir gérer en mode de match poussé. C'est parti. J'ai resté à côté de toi pour le plaçon. Oui, on va juste ramasse. Mais je crois que c'est une abonnée de ta chaîne parce que. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure, mais je vais vite répondre maintenant parce qu'après je vais me déconcentrer là, faut qu'on gère. Bon. Ouais. Alors, Hitchhike, il y a pas trop de vitalité, lui. L'écras, je joue souvent en colis, ça me fait jamais peur. Nexia. Ah non, il est R. Ah non, il est R. Au mieux, Nexia quand même. Ouais, bah, une petite bois, comme ça, au moins, tu pourras pas bon, hein, c'est pas si mal joué. Bon, j'ai envoyé la rack d'Amazonie. Ça peut toujours servir, hein. Voilà, elle va mettre du temps pour aller jusqu'à là-bas, mais bon, c'est pas grave. Bon, je pourrais toujours l'anti si tu veux. Ouais, non, pas vraiment utilisé, là. Allez, j'ai une casée là. Tac. Et là, je lâche du 800 de points de bouclier avec le plastron. Donc, j'ai. Un peu moins de 4000 vita. Allez, ce bout, c'est une zobalette en full meu. Ça va être galère avec les zobales. Ouais, si j'aurais su, j'aurais mis mon mode anti-zobal. Bon, c'est quoi, c'est full de masse poussée quoi. Ah, elle lâche les deux maintenant. Bon, c'est pas forcément très bien joué. Je suis 50% neutre, 50% terre. Et j'arrive toujours à 120 dommages poussés. C'est le mode que j'utilise d'ailleurs dans la vidéo où tu m'as présenté. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais là, ils ont lâché trans, plastron au même tour. Ouais. Bon, ils vont pouvoir être safe, mais limite, on pourra buter les bombes ou je sais pas. S'ils jouent les bombes, cette fois-ci, ils ont qu'un personnage qui donne des résistances. Attends, ouais, il y a que le. Donc là, bah, déjà, la roublarde, comme elle a dit merde, elle a mal joué là. Ouais, mais là, tu as tapé sur 1200 de points de bouclier. Hein. Ouais, c'est toujours ça. Par contre, tu mets le mur, ouais, de toute façon. Bim. Toujours ça. Bon, t'as limite pété la bombe. Ouais, c'est ça. C'est pas grave, elle est encore là. Je sais pas quoi faire. Là. Au moins, tu lui pètes des PM, c'est pas très mal. Ah, pour mettre que je me suis mis là, mais non, c'est bon. Mais non, j'ai pas. Enfin, j'ai pas très bien joué de ma part là. Oh là là. Si, c'est bon, j'ai une idée. Non, elle va mourir. C'est pas grave. Enfin, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Je me couvre, voilà. Il m'attire pas dans ses bombes. Ah ouais, bah. J'ai gâché des pains un peu inutilement. Alors, on a un petit craer, je crois, en face. Ah, ben, un craer qui m'a l'air multi. Il a lancé sa pupu, son XP, mais il a pas mal de tacles. De fuite ou tacles, je sais jamais. Ça, c'est les tacles. Ouais, c'est le tacle qui est affiché, c'est la fuite qui est pas affichée. Bon, là, il s'en fout le point de bouclier. Je crois que je vais aller taper. Je fais quoi? Je fais du full rocks sur la. Sur la zobal? Sur la roublarde. Ouais. Je pense, ouais. Ouais, ouais. Si. Et mais bon, je sais pas, je vais transpercer un petit peu le point de bouclier, pas énorme. Ça devrait être toujours ça de prix. Merde, j'ai oublié une case là. Ouf, ça viole. Ah, j'ai déjà transpercé. Alors là, il me reste soit libé, soit appui. Je crois que je vais appuyer. Tu qui vois? Bon, après, je sais pas, tu vas être casé où avec 2 PM? Mais c'est pour ça que je savais pas trop. C'est pas grave. 312 quand même, elle passe l'appui. Ah oui, c'était boost. Ah, c'est pas mal. Pas mal le ça, c'était pas mal parce que j'ai même pas Furia encore et la pluie grâce à T plus 40 dommages qui passe. Ouais, bah c'est comme si j'avais une Furia quoi. Voilà, c'est pour ça que je fais 300. Ouais, moi bon, c'est déjà on a bien réussi à transpercer le point de bouclier de la roublarde. C'est déjà un bon début. Peut-être la Zobal qui va pouvoir, si elle joue pleutre, non, elle va pas jouer pleutre, à jouer Rox. Ah oui, j'ai rien en neutre alors je vais me prendre des sales coups de cache moi. Et toi non plus, t'as pas grand chose en neutre. Moi j'ai rien. T'as 10 fixe, moi j'ai carrément rien, alors rien du tout. Des fois, en PVP 1v1, je compense avec un petit boubou. Ah, là, donc là, c'est moi qui prends. Mur, mais là, je pourrais me faire plaisir avec la Zobal. Hein. Je prends quand même du 377. Mais attends, non, elle peut pas bouger. Bah, tu peux la foutre dans son mur. Hein. Ah non. Sauf si elle est très mal placée. Elle s'est mis derrière, c'est obligé. Ouais, sauf si elle joue vraiment très mal, mais je pense quand même. Là. Attends, je tente un souffle quand même. Limite, oh, tu peux aller full rocks la Zobal ici, ouais. Et moi, je la termine dans son mur. Hein. Franchement, il y a large moyen. Ouais, vas-y. Parce qu'elle est en France. Ça va. Allez, on fait ça. Là, il y a moyen de faire du bobo parce qu'il y a, tu vas voir, carrément lui mettre
pile. Pourquoi tu crois que sur moi et t'as pas fait bon? Tu me pètes du. Non, c'est pour après pouvoir faire bon pour me libérer en fait, au cas où. Tac. Mais faudra pas que tu restes là par exemple, hein, parce que. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est pour ça que j'ai fait. Pas fait bon. Hop là. Et là, elle va mourir, hein. Sauf si le Kra est un PGM et qu'il arrive à tuer ce mur ou je sais pas ce qu'il nous fait. On va bien l'achever son mur. Hein. Sauf s'il pense pas, il va peut-être te roxer du coup. Hein. Faut voir. Ah, si, c'est mousse la peau, c'est qu'il va pas compte pas tuer le mur. Hein. Et là, il nous suffit d'une simple IB et là, bim, c'est fatal pour la Zobal. Hein. Ouais, ouais. Donc, faut voir. Parce que là, il y a déjà une bombe qui est assez bien boostée. Ah, ouais, ça, je vais pouvoir remettre ou pas? Attends, j'essaie de voir. Bolish. Ouais, je vais pouvoir remettre, il n'y a pas de souci. Petite bolish. Là, elle sera alignée avec l'autre. Et là, si je fais. Est-ce que ça se bloque en cours ou pas? Si je fais une bolish, là, le mur, il va s'arrêter dedans ou pas? Non, normalement, non. Sérieux? Ouais. Attends. Trempe, tu mets un. Ah ouais, merde, j'ai tué. Putain, tu l'as tué. Quel con. Tant pis. Tu peux pas aller. Attends, je vais faire ça. Ah oui, j'ai fait n'importe quoi. C'est petit main au combat, c'est pas grave. Mais c'est sûr que ça l'aurait pas activé le mur? Non, c'est. J'ai jamais fait gaffe. Ouais, c'est possible que ça n'active pas. Bon, tant pis. Bon, bah la Zobal qui reprend presque toute sa vie. Ouais, dommage. Mais bon, là elle aura un tour où elle va pas faire bouclier, donc ça c'est bien. Enfin, peut-être en profiter. Mais dommage, j'aurais pu la finir, j'ai fait un peu n'importe quoi. Moi aussi, faut que je remette un petit peu l'astron. Je pense que j'ai joué Destin pour la Zobal. Ça, j'ai la joué Érosion. Et au moment où elle fait tous ses boucliers, ouais, ça sera bon. Elle vient te roxer. Ouais, pas mal. Ah, là, je perds pas de PA, ça c'est bon. Donc elle en a pu être 249. Mais elle va jouer un peu plus. On fait quoi? Tu on laisse partir la Zobal ou pas? Je sais pas. Tu préfères pas peut-être finir la roublarde vu que la Zobal est partie de l'autre côté. Non, ce qu'elle fait la petite roublarde. Ouais. Pac. En tout cas moi là je perds 3 PA pardon sur 6. Ah oui, tu vas perdre 3 PA. Elle bouge pas. Bon, je te remets un plastron du coup pas. Ouais, bien placé. Ouais, elle s'est bien passée. Ouais, genre. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais revenir vers toi, je vais refaire deux épées divines. Non, je vais en faire une, je vais préparer mon épée du destin. Ouais, je vais faire ça. J'ai une canne à côté. Tu veux que je tape vers la roublarde ou un truc comme ça, non? Non, peut-être pas. Je sais pas où me placer, parce que le Kra là il peut me toucher, mais si je me colle à toi, ce sera la roublarde qui. Ouais, non, je vais venir sur toi. Voilà, il pourra pas hein, parce qu'il a déjà 10 avant. Donc, de toute façon, l'XP, je suis pas sûr qu'il aura fait d'énormes dégâts. Non, je pense qu'il est un peu boosté là, non? Ouais, il a fait tous ses boosts d'ailleurs. Il va pas pouvoir les mettre en œuvre. Quoique, si, toi, il te touche, je crois là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a pas de truc bon, tant pis. 122, bon, ça va encore. Il a 258. Une 155. C'est pas mal. Alors, ça, j'envoie. Je te foutre ça. Mais bon, je lui lâche une boliche. Hein. Ouais, vas-y. C'est parti, il va même se prendre notre ami l'arachne. Et la boliche qui passe bien. Ouais, et moi le tour d'après je vais l'enchaîner. Dis-moi la même petit combo de l'arachne. Ouais, il y aura peut-être moyen là. Vu qu'il n'y a... Ouais, a plus comme tout à l'heure, il n'y a pas de F4. Le combat d'avant il y avait une F4. C'est tapé moins les insignes. Ah là, il y a. Voilà, il va sûrement relancer son petit plastron, la Zobal. Et nous, notre Vita on a perdu un peu, mais c'est pas non plus dégueulasse. On n'a pas perdu énormément. Là, il y a par contre la roublarde qui est en mauvaise posture. Je crois que ça va être son tour de jouer, donc elle pourra peut-être faire un roublabot ou un truc comme ça. Il y a un petit plastron, mais de toute manière, je pense qu'ils savent bien qu'on va pas aller les taper eux s'ils ont du plastron. Enfin, pas pour le moment en tout cas. Non, cette carotte elle rush dessus, ok. Ouais. Ah oui, merde. Putain, mais c'est pas bête ça. Là, tu vas être une bombe. Ouais, ça va pas taper énormément pour l'instant. Ça va. Ça passe. Ça va, c'est pas trop mal, mais. Ça va pas transpercer le point de bouclier maintenant, de toute façon. J'aurais bien aimé avoir pouvoir utiliser le bouclier PVP. Ah oui, c'est vrai que ça serait super utile. Hein. Ça aurait été pas mal, un petit bouclier d'as. Ah oui, c'est sûr que le bouclier d'as, c'est le bouclier parfait. Ouais, tu vas pas pouvoir passive, peut-être avec un souffle ou un truc comme ça. Là. Ouais, elle la touche juste au souffle. Hein. Ah. Ou alors je peux aller. Ouais, non, le crâne servirait pas, je lui enlèverais pas beaucoup de dommages. On peut le voir. On va faire ça. Merde, j'ai pas précis, bah, c'est pas grave, j'ai dû mettre un chauffeur derrière, j'ai dû mettre une Ati. Oups, c'est là. Moi, c'est déjà ça de prix. Ouais. Et moi, je sais pas ce que je vais faire. Ah, le chauffeur, même si tu tapes, c'est bien.
prochain tour, j'ai mon épée du destin. Ça va. Si je perds pas trop de PM, peut-être que je peux bullish l'arachne et lui faire de bullish derrière. Je vais tester ça, mais si je perds trop de PM, ça va être compliqué. Alors attends, j'ai... Ah ouais, j'ai 4 carrément. 2 PM quand même. 2 PM alors qu'elle a vraiment. Je sais pas si c'était un truc que je pourrais faire là, parce que j'ai pas trop en tête. Genre péter les bombes ou. Tu peux pas. Apo, c'est le sort qui attire ou pas? Ouais. Non. Si tu peux le faire à travers les surfaces? Non. Ah, ça c'est dommage. Je sais pas ce que je fais du coup. Peut-être faire ça. Gabriel derrière moi sinon. Attends, je vais faire ça justement. Tac, toi tu crèves, voilà bien. Et là, ça devrait passer. Genre Kevin, ouais. Ça va, 500, c'est pas trop mal. La roublarde qui est. La zobale qui est, pourra pas lui faire trop de points de bouclier. Au pire, une torture au gars, mais je suis même pas sûr qu'elle va l'utiliser. Je pense quand même que ça serait assez logique. Elle va peut-être te toucher. Non, même pas. Même avec une cabriole, te chope pas la furia, donc ça c'est bon. Ça c'est bueno bueno. Peut-être avec eux, ouais, va sûrement faire un peu le train, ça m'étonnerait pas, ça serait logique. Là aussi, il peut rush, ouais. Psycho. Psycho, d'un coup de racine, je pense, qui fera plus de dégâts. Oui, ça c'est sûr, ça serait plus logique. Oui, en plus, avec la maîtrise. Et que va-t-il choisir, toi ou moi? Toi. Cache, c'est pas très bien placé, parce que là, si j'ai envie, je peux la mettre dans le mur de bombe. Effectivement, faut voir un peu ce que va nous faire l'autre blarde aussi. Son roublabot qui n'a toujours pas été lancé. Donc je vois pas trop pourquoi la lancer maintenant, mais on verra. Là elle va m'attirer, je pense, elle va faire une aimantation sur moi. Enfin c'est ce que je ferais, non elle peut pas, je suis bête. Oui, je connais rien mon roublard, je pourrais pas te dire ça. Elle met son bois, ouais, là elle va me faire une aimantation. Ah non. Il reste combien de 9? Ah non, il restait plus de PA. Là elle pourrait faire quoi pour nous. Elle peut pas elle... le mettre dedans là si? Non. Finis la roublard. Oui si elle t'attire et après elle pousse la bombe. Là elle va pousser la bombe, ouais. Mais je crois qu'il y aurait large moyen de les mettre dedans là par contre. Oui, tu peux mettre les deux tranquillement, non? Mettre les deux, ouais. Bah tranquille, hein. Je prends cher là. D'abord la zobale. D'abord mettre la zobale. J'attaque pas l'autre. Ah oui, t'as souffle de toute façon. J'ai souffle. Ah ça va. Tranquillement. En plus ça va me faire la petite zone. Ah non, quoi que la zone sera pas top. Ah non, je peux pas la mettre. Ah si, je peux la mettre. Si tu peux. Ou alors tu joues après moi, toi, tu peux pas. Attends, on va voir. Bah, tu veux pas là? Ah, tu veux pas remettre. Si je peux, mais. Oh, oui, après ça va être risqué. Ouais, bon. Bon, je pense qu'elle va mourir de toute façon. Oui, 500. C'est bon. Hop, voilà. Parfait. Oui. Là, c'est fait. T'as peut-être dû la laisser dans le mur. Comme ça, la zobale. Laisser le dommage de zobale. Ouais. Bon, on va voir le Kra là qui a plus de boost. Il a plus de d'XP ou puni. Je crois que c'est le tour d'après ou quoi? C'est quoi l'histoire là? Petit abso. Ouais, abso 159. Je vais pas te relancer de point de bouclier là parce qu'une transe serait un peu risquée. Bon, de toute façon, prochain tour, j'ai place 3 et tu devrais tenir. T'as pas encore lancé de vitalité donc ça devrait être tranquille. Ouais, je pense. Pour le moment, je pense que j'ai bien roxé la zobale. Sauf si le crack. 79. Ouais, faut que je tape la zobale. Hein. Bah, le crack il roxe pas des masses. Hein, mais il est pas boost en fait, ouais, c'est ça. Ah, je prends même un petit soin de kawotte. Ouais. Je sais plus si c'était la tienne ça, ouais c'était la tienne. Ouais, c'est la mienne ça. Allez, on va prendre une belle petite idée. Je vais te rajouter du tac, ça pourrait toujours te servir. Bon, oui, ouais. De toute façon, t'as du moins de tac, normalement t'es en négatif. Donc... Là, faut qu'elle rocks parce qu'on a plus de moins de bouclier, mais est-ce qu'elle va faire? Je pense que oui, au moins, un coup de cac. Ah, alors, on va aller te finir, mais. Aïe. Non, mais là c'est bon, puis si tu l'attaques, là, de ce que ça me met, tu l'attaques, là, après c'est sûrement peut-être un bug. Non, là, elle me fait une bouillie, je suis pas bête. Ouais, mais sûrement parce que tu devais l'attaquer, je sais pas. Ouais, oui, l'attaque. Mais de toute façon, t'as tes 6 PM là. Ouais, mais je perds 3 PA. Je perds 3 PA, bah tu peux quand même lui faire 2 intis. Hein. Enfin, à toi de voir. 11 intis, ouais, mais après, c'est risqué. Enfin, je parle, c'est risqué. Pour le crâne. J'ai chance de mourir. Attends, je vais mettre là. Tu peux peut-être envoyer ton. Ta vitère, ouais. Je peux même lui mettre 3 intis, tu vois. Ah, bah, c'est parfait. Ça met un bug d'affichage, moi ça me mettait que t'avais plus 4 PA, bon, c'est un vieux bug. Il y a des fois des petits bugs comme ça. 113, 317, ouais ça va. Ouais bah t'es no boost, donc du coup le dommage de l'un. Ah bah tu vas te prendre deux trucs. Je prends 10. Ouais mais les deux sont pas boostés, donc même si c'est deux trucs, ça devrait pas être trop violent. Ça va. Sûrement une XP à moins 300, 350 je dirais. Ouais je pense. A vu le nez. Moi qu'il fasse autre chose, mais je pense pas. Ouais une XP à même 163. Ah oui t'as des bonnes résistances, c'est pas mal. Ouais ça, j'avais pas vu.
Moi d'ailleurs j'ai mis un trophée reste de terre, mais qui est totalement inutile. Je sais pas pourquoi il fait ça, enfin. De toute façon, ça touche quand même. Allez, je vais te faire un petit boost masque du psychopathe, c'est toujours bien utile, 150 de puissance. Ouais, c'est sûr. Et peut-être lâcher une petite boliche. Hop là, 419. 119, joli. Secondes. Ouais, d'accord, je finis un truc, après j'arrive. Petite interruption. Et des personnes non identifiées qui rentrent dans les chambres. Allez, passe en transe, bon, si elle fait pas de plastron, ça va être très risqué. Et si elle le fait, il y aura un tour, alors à rien, donc... Bon, après, elle peut tenter, parce que pour tenir un maximum de temps, mais... Genre, ne faites pas ça chez vous si vous êtes au premier tour. C'est pas conseillé. Il m'a mis une expert, du coup, je peux pas aller... Ah oui. Bah, tu peux peut-être... Attends, j'ai envie de booster. Ça serait dommage. Toujours ça de prix, ouais, 40 dommages. Je suis lâché. Là, je vais pouvoir faire... Ouais, c'est peut-être pas mal, ça. Ouais, c'est sympa. Booster en dommage, ça arrive. C'est bien mal. J'ai un mode juste avec cette attaque. Enfin, juste avec cette attaque, un mode Rox. Ça tape bien à 700, 750. Avec Pooch et toutes les conneries. Hein, quoi que Pooch, ça marche ce truc. Ouais, sûrement. Allez, l'abso. De toute façon, je vais te lâcher des points de bouclier. Là, je crois que je vais même pouvoir passer en transe. Ouais, ça va, tranquille. Tranquille. Hop là. Qu'est-ce que je fais? Allez, on va faire ça. Petite improvisation. Je sais pas si ça sert à quelque chose de tenter de la tuer maintenant, elle. Hop, moins 2 PM, ça c'est cool. Allez, bon, on va faire un petit point en bouclier. Je suis vraiment en mode maxi bouclier. Oh, t'as pas la diffra. Tu peux aller encore plus loin. T'as pas la diffra. Je suis pas en mode 4300 de vita. Mais bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Ouais. Et puis là, on est en mode dommage poussé. Hein. En ce moment, j'essaye d'exploiter un maximum le mode dommage poussé, m'entraîner un peu avec, voir les défauts et les bons points positifs avec, il y en a pas mal. Hein. Après là, je suis moi aussi pareil, enfin je suis en full mode dommage poussé, sinon c'est un mode que je joue vraiment que contre les Osa ou Feka après. J'utilise pas... Ah oui, contre les Osa, ça doit être vraiment mortel. Osa, ouais, c'est bon. Trois quarts, ils pensent pas à ça, ils spamment les res genre feu ou terre, je pense. Ouais. Voir air, je sais pas trop les up à ce level. Ouais, plutôt feu terre, feu air à mon level, c'est plus ça. Allez, tu vas commencer peut-être le crack, on n'a pas vu du combat, il nous a lâché ses petites flèchouilles, petites flèchounettes, mais bon, rien de bien violent encore. J'ai envie de le roxer au sort, je sais pas pourquoi, j'ai envie. Tac, ah, tu vas pouvoir quand même te régénérer un peu. Ah, il est bout, ah, ça picote bien, ça c'est propre. Ça picote. Ça c'est. Et j'ai quand même un petit souffle. Tac, ouh, le souffle. Je pensais pas que j'aurais tapé autant. Ah ouais, ça fait vraiment mal. T'avais des boosts. Ah oui, t'es avec masse du psychopathe plus. Ouais, plus mes boosts. Conneries, là, ça fait mal. Ouais, j'étais monté à coin de puissance, je vais voir ça tout de suite. T'as 1700 points de bouclier, on n'a pas fait gaffe parce que je crois que la roublarde a fait une diffraction. Ouais, effectivement, donc t'arrivais à monter à 1700. Elle vient de t'en péter un maximum, mais 1700 quand même, c'est. Ça va. Tu vas pouvoir bien tanker. Alors, le cra. Le cra qui va essayer de se lagner un peu. Je crois que. Ouais, j'étais boosté à 560 de puissance là. Ouais, 560, c'est pas mal. Bon, ça fuit un peu, je vais te faire ça, bon c'est toujours ça, hop, tu reprends 400, mais je suis con, t'étais dit au max niveau temps, tu regardes. Et je vais pouvoir lâcher une petite boliche, bolichounette, qui va devoir picoter à moins 400 je dirais. Allez, voilà, 425. Ah oui, je me suis pris un pas crème. Ouais, le petit putsch, j'ai oublié que ça, ouais, c'était... je me suis pris ça. Alors Zbou qui est en mode survie hein, depuis tout à l'heure là, ça fait un petit mode survie. Et spam les points de bouclier et fuir un maximum, mais si on tape pas, c'est pas trop, pas forcément très utile. Tac, ouais, t'essayes de mettre le maximum de rocks. Mais on voit que là, bon, le coup de cas qui passe bien, mais t'as des bonnes résistances terre, et là au contraire, la furet qui passe pas super bien. Je pense que je la finis avec deux. Ah non. Non. Mais c'est pas grave, je pense qu'il y aura moyen de la finir au pire, mais. Sinon je m'occupe du crack, il n'y a plus qu'à 700 vita. Et là on se rapproche de la fin. Elle est à sous trans, non, elle va reprendre sa vita. Ah non, même pas sous trans, donc ouais. Ouais. Oh. Je pense que le crack va me lâcher une petite expi. Ah non, bah sur je la prends en moins 200. Oh, quand même, à moins 500. Pas mal, mais il faut le boost, non. Ouais, il faut le boost pour ça. Il a ce qu'il a. Oui, il a pas beaucoup en sagesse, j'ai l'impression. Hein, parce que 12-12. Là je prends, c'est cher. Ah, il y a un petit bug de connexion, apparemment. Ça va pas être cool pour la fin de la vidéo. Ah oui, j'ai bug de connexion.
Bon bah je ferai peut-être une petite ellipse pour ce bug de connexion, on verra bien. Ah, toujours un petit bug en vidéo. Ouais. Bon, je mettrai une vidéo à côté. Pendant ce petit lag intersidéral, vous voyez que j'ai son petit bug de connexion. Et ça, il y a pas, je perds des coups comme ça. Et je dois retrouver, hop, on va retrouver la conversation maintenant peut-être. Ah, on est en train de se revenir. Ouais. Est-ce qu'on entend? Ah, c'est les aléas du direct. Bah là encore, j'ai l'impression que hot, regarde, j'entends pas super bien. C'est bordel. Hop là. Est-ce que. Oula. Est-ce que tu m'entends? Parce que là, j'entends pas. Ah bah on va finir la vidéo en commentary chat il me semble. Nouveau concept. Et donc là, haute colère, on a eu un petit bug de répondre. Est-ce que j'entends haute? Non. Il y a un gros bug audio, excusez-moi. Après je crève maintenant. Ah excusez-moi, c'est bug. Bon, tant pis, on va finir la vidéo, donc bien joué quand même aux trois joueurs. On a perdu notre colère en cours. C'est pas grave, hop, on va terminer Brew et Shake avec une petite Furia. On va peut-être essayer de retrouver Hot, on va faire une petite phrase de conclusion entre nous. Parce que dommage, le combat était vraiment sympa, j'essaie de le retrouver. Donc je vais faire une petite ellipse et je vous dis à tout de suite. Allez, on se retrouve après une petite ellipse parce qu'on a eu des crashs de ports d'internet. Et je suis toujours en compagnie de Hot, on va conclure cette vidéo hein, tranquillement à Pandala. Et ouais. Donc on a quand même réussi à gérer ces trois zigotos là, c'était une roublarde 146 il me semble, une zobal 150 qui était grade 6 et j'avais déjà gros, elle est pas mal hein, en full melou, bah c'est le même mode que moi j'ai en full melou. Un peu moins de vie elle avait quand même. Ouais parce qu'elle doit pas avoir des overs. Et j'ai là nos 200 de vita. Et mais franchement c'est pas mal, elle a des très bons jets résistance et tout. Et il y avait quoi? Un petit crack. Tu crois Un qu'on petit crack, ouais. On l'a pas bien vu, mais il nous a quand même fait des beaux dégâts à expier tout ça. Hein. Ouais. Je crois qu'il t'a tué à la fin, non? Ah non, c'était le Zobal. Non, c'est. Ouais, c'est le Zobal. Enfin, on n'a pas bien vu, il y a eu un bordel à la fin, vous allez rien comprendre. On verra bien de toute manière. Et donc voilà pour ce 2v3 quiz Mike Hot. Franchement, une bonne compo, Zobal et hop. En plus, on est en mode full dommage de pousser, c'est plutôt original, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Enfin, franchement, ça commence à se développer, mais avant il n'y avait pas. Surtout grâce au nouveau trophée, quoi, qui en donne de la masse, c'est beaucoup plus simple de les faire. Bah, c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Haute Colère qui sera dans la description et en annotation, sûrement, si j'y pense. Il fait des vidéos de PVP comme moi en fait, hein. Enfin, pas comme moi, comme moi. Le même genre, je pense, ouais, c'est ça. J'en ai vu 2-3. Ouais, c'est ça, ouais. Je lui montre des combats, bah, contre des hauts gradés. C'est intéressant. Si vous jouez un Yob, vous voulez peut-être connaître des techniques. Franchement, allez voir. Ça coûte rien. Donc voilà, c'était un petit mot à dire pour conclure, putain, deux fois la faute, cette vidéo. Bon, tu vois. Dédicace à Taïkild. Dédicace, ouais, dédicace à ma. D'ailleurs, c'est toi le meneur, non? De quoi? C'est toi le meneur, non? Ouais, c'est moi le meneur. Ouais. Mec. Et aussi, grosse dédicace à Farou qui partage ce Yop avec moi, d'ailleurs. Voilà. D'accord, bon, bah, on se retrouve prochainement, peut-être pour une autre vidéo à Code Colère, pourquoi pas, on verra bien. En tout cas, ça reviendra peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos avec mes persos et sur la chaîne d'autres colères. N'hésitez pas à les voir. Allez, bye tout le monde.